bonjour à tous. Bonjour Yves Candebord. Bonjour, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, un débat avec vous sur la digestion. Mieux fait faire ça au déjeuner, non? Déjeuner tous ensemble, on aurait pu faire ça. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée, au contraire. C'est jamais une mauvaise idée. Bon, on est ravis de vous accueillir. C'est, souvent on dit, quand on accueille un natif, c'est le régional de l'étape. C'est un peu ça, enfin, c'est l'un des régionaux de l'étape des idées mènent le monde sur le thème de passion. Ah oui, là, je pense que je suis vraiment un des régionales de l'étape. Je pense qu'il y en a peut-être d'autres. Oui, Parce que vous êtes quoi, 200 mètres du... Oh, même pas, je pense que je suis à moins de 100 mètres. Et surtout, je dirais que le parc Beaumont a bercé, je pense, toute ma jeunesse. Voilà, les promenades avec les parents. Puis après, en tant qu'adolescent, aller pêcher les crevisses, aller pêcher les poissons rouges. Il ne faut pas le dire aux mères, mais on allait quand même pêcher les poissons rouges. Oui, on a fait les 400 coups dans le parc Beaumont. Bon, on verra si c'est le moment de trahir des petites confidences. Il y a papa et maman au premier rang, quand même. Donc, attention, hein. Heureusement. Yves, on est ravis de vous accueillir parce que le thème des idées mènent le monde cette année, c'est la passion. Et cette passion pour la cuisine, vous êtes l'un des chefs les plus emblématiques de la cuisine française aujourd'hui. Et on avancera peu à peu pendant les minutes que nous allons passer ensemble sur ce sujet. Est-ce que c'est une vraie passion d'ailleurs? Vous avez choisi cette vie-là. Comment c'est arrivé dans votre vie? Bon, je pense que c'est arrivé tout naturellement. J'ai eu la chance justement de vivre dans une famille où le bien manger et le bon produit étaient des choses totalement naturelles. Et quand j'ai fait un choix à 14 ans de quitter un peu la scolarité classique, parce que voilà, j'étais un peu têtu et j'étais un peu rebelle, j'avais envie de faire autre chose. Voilà, la première chose que j'ai pensé à faire, c'est le métier de cuisinier, étant donné qu'on vivait dans ce milieu familial où il y avait toujours des magnifiques produits. Donc j'ai commencé mon métier. Au départ, honnêtement, je pense que c'était plus une façon de liberté. Mmh. Et c'était aussi une façon de gagner sa vie, justement, pour arriver à se nourrir et pour arriver à vivre. Et après, ce qui s'est passé, voilà, c'est les rencontres. Comme bien souvent dans la vie, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est peut-être un peu plus attentionné à un jeune Béarnais qui monte à Paris, qui a de l'accent qu'on ne comprend pas trop quand il parle, parce que l'accent est très marqué. Et que ce monsieur s'appelle Christian Constant. Christian Constant, voilà. qui a un bel accent aussi, quand même. Oui, qui a un bel accent aussi de Tarn-et-Garonne. De Tarn-et-Garonne et de Montauban, qui a senti en moi un gamin qui était fonceur, et un gamin qui était bien éduqué, qui était gentil. Et donc, il m'a fait toucher. Il y avait peut-être un peu de talent aussi. Honnêtement, je ne pense pas de base. Moi, je ne suis pas tellement pour dire que j'avais du talent. Je pense surtout que j'avais une force de travail qui vient de mon milieu familial. Moi, j'ai toujours eu mes parents qui ont énormément travaillé, qui nous ont fait voir que tous les matins, ils se levaient de bonne heure et se couchaient tard tous les soirs, et qu'il y avait une valeur du travail et qu'on n'avait rien sans le travail, et que le travail apportait la liberté. Donc j'avais ça en moi, le travail, et donc Christian Constant a senti ça et m'a fait toucher du doigt que certes on faisait un métier, que le métier de cuisinier, que c'était un métier qui était, au départ c'est quand même normalement c'est simplement pour nourrir les gens, mais qu'on pouvait y amener autre chose, on pouvait y amener une philosophie, on pouvait y amener du caractère, on pouvait y amener sa personnalité, et surtout on pouvait se rendre compte que les matières premières qu'on travaillait, il y avait des matières premières d'exception. Qu'il fallait arriver à sublimer et quelque part à jouer avec elle. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un beau produit, on s'amuse avec lui, on s'amuse pour le mettre en valeur. Et après, ce qui se passe, la magie de ce métier, c'est là que ça m'a énormément plu. Je me suis rendu compte que très rapidement, on avait des retours de bonheur, des retours de plaisir que les clients nous donnaient. Donc quand on a régulièrement tous les jours dans un travail qui est un vrai labeur de plus de 10 heures, voire 15 heures de travail à l'époque, quand on a ce regard, ce joli mot de complaisance, ce petit sourire de remerciement, je pense que ça galvanise, ça flatte son ego et ça nous permet d'être fiers de ce qu'on fait, fier de son travail. Et donc ça m'a énormément plu. Et c'est là que vraiment le métier de cuisinier est devenu, je dirais principalement pour moi, ma vie. Est-ce que c'est un métier qu'on peut faire sans avoir l'envie, le goût de la générosité? Je pense que malheureusement, oui, parce que le cuisiner, je veux dire, il y a vraiment tous les niveaux de cuisine, sans rabaisser les cuisiniers qui travaillent peut-être simplement dans des restaurants de restauration rapide, parce qu'on s'appelle aussi des cuisiniers. Mais c'est vrai que si on part du parti de le faire dans la gastronomie française, si on n'a pas de la générosité, si on n'aime pas le partage, et je pense surtout si on n'aime pas les gens, c'est très compliqué à faire. On ne peut pas le faire durant toute sa vie. À un moment donné, malheureusement, on est rattrapé par la réalité et on arrive à une forme d'écœurement et on arrive à une forme
d'être malheureux dans son travail, et je crois que c'est le pire, c'est se lever le matin et se dire je vais faire un métier que je n'aime pas par force, je trouve que c'est pour moi c'est la chose la plus difficile qu'il peut y avoir. Donc il faut impérativement avoir cette passion et avoir cet amour, cette envie de faire plaisir. Vous parliez tout à l'heure de l'émotion d'un client qui vous dit c'était super, c'était très bon. Est-ce que vous avez l'impression dans ces moments-là que ce que vous faites, la cuisine que vous pratiquez, c'est un art? La cuisine, c'est un art. Alors, c'est assez compliqué parce que c'est vrai qu'on entend parler maintenant de ce mot art, on pense que c'est nouveau. Mais bon, si historiquement, on prend les livres du 18e, du 19e, que ce soit des Antonin Carême, des Urbain Dubois, des Jules Gouffet et notre maître à tous encore, Auguste Escoffier. Voilà, ils avaient déjà amené notre métier au mot artiste. Voilà. Mais la compréhension, après, c'est la problématique qu'on peut avoir avec ce mot artiste, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui veulent venir à ce métier par rapport à ce mot artiste en pensant que le don suffit. Voilà, pour être artiste, il suffit d'avoir un don et tout se passe bien. Mais quand on connaît la réalité du travail des artistes, que ce soit des artistes, que ce soit des écrivains ou des chanteurs ou des cuisiniers, c'est un travail, une labeur qui faut se remettre en question tous les jours. Il faut travailler pratiquement 10 heures, 12 heures par jour autour de notre métier pour arriver à conserver cette flamme pour continuer à progresser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je considère plus que je suis un artisan de la vie. C'est pour ça que j'essaie de détourner ce mot artiste. Je dis qu'on est plus des artisans de la vie. Alors, les artisans de la vie, on est des artisans du bonheur. Parce que voilà, on amène justement ce bonheur, la jouissance qu'un artiste peut amener. Oui, c'est ça. Vous ne dissociez pas, certes, il faut du talent, incontestablement. Sinon, tous ceux que vous venez de citer, tous ceux, effectivement, des chefs, des cuisiniers, il y en a beaucoup, mais peu d'entre eux parviennent, au niveau qui est le vôtre aujourd'hui, à faire partie de cette poignée de chefs dont on connaît le nom, dont on connaît la patte dans la cuisine. C'est le travail qui a fait la différence? Alors je pense que déjà, bon, c'est de la chance, quand même, dans la vie, c'est comme ça. Il y a les rencontres, il y a de la chance. C'est vrai que la chance aussi, ça se déclenche. Ça se déclenche parce que c'est un investissement qui est très, très important. Et peut-être après, pour essayer de schématiser quand même le pourquoi, le comment, qu'il y a certains cuisiniers qui percent plus que d'autres, notre métier est un métier de pression. Voilà, ça, on ne peut rien y faire. Voilà, la pression et le stress fait partie de notre métier. Mais je le compare souvent, j'explique ça aux nouvelles générations que nous prenons avec nous. Je leur dis, c'est comme un sportif de haut niveau. Voilà. C'est qu'à un moment donné, quand tu vas jouer la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions... Ouais, au hasard, le rugby. Le rugby, la finale de la Coupe du Monde, ou un match de championnat de France, peu importe, tu as la pression. Tu as ce stress qui est terrible, quoi, qui est terrible et aussi qui est tellement positif. Mais notre métier est un peu pareil. Il faut savoir supporter ce stress, il faut savoir supporter cette pression, parce que quand on arrive à la supporter, et quand le stress et la pression, ben on arrive à travailler avec rigueur, on arrive à travailler avec discipline et avec régularité. Et donc on a intégré ça, et quelque part, ce stress et cette pression, ça galvanise, ça devient du positif. Et malheureusement, il y a beaucoup de cuisiniers aussi encore aujourd'hui qui ont du mal à supporter cette pression. Et comme je le dis, elle fait partie de notre métier et on ne peut pas s'en libérer parce qu'il y a deux raisons de ce stress et de cette pression. La première raison, c'est le client. Parce que le client arrive, le client veut être servi, ce qui est totalement normal, en temps et en heure. Et après, on a la matière première. Ouais. Souvent, on en parle très peu, mais quand on reçoit, par exemple, on prend un superbe homard ou on prend un superbe carré de veau, on sait pertinemment que quand il est cuit, il faut qu'il soit servi. Si le homard, on va le laisser 10 minutes de plus de cuisson. Mais malheureusement, le résultat n'est pas bon. Donc, le timing, l'horloge, on a tout le temps une horloge dans notre tête pour arriver à coordonner des gestes, à coordonner des cuissons, à coordonner des techniques pour que tout parte en même temps sur la très haute qualité. Et ça, c'est une pression et un stress qui est naturel et qu'on ne peut pas se passer quand on veut faire de la cuisine, quand on veut bien cuisiner. Donc, il faut arriver à la supporter. Et je pense que la différence entre les uns et les autres, elle vient avant tout de là. La cuisine est très codifié, ritualisé. Il y a effectivement, on peut avoir peut-être la fausse idée de quelqu'un qui va exécuter une recette, une cuisson, machin. Non, c'est tout un process, le mot n'est pas très heureux, mais en tout cas une succession de gestes et de techniques. Il y a beaucoup de techniques. Oui, il y a un apprentissage. Il y a un vrai apprentissage. Après, il y a toujours, dans n'importe quelle corporation, nous avons toujours des gars qui sont surdoués. Aujourd'hui, je pense que dans les générations qui existent, on a un monsieur qui s'appelle Pierre Gagnère, qui est sur notre planète, qui est surdoué de ce métier-là. Mais même, je pense que c'est un gros travailleur quand même. Mais il a un don que nous n'avons pas, que je n'ai pas. Il a quelque chose de plus que nous. Mais après, je pense que c'est un métier où l'apprentissage est indispensable. C'est vrai qu'on compare souvent la cuisine
Il y a un ordre militaire, oui. Mais qui est foncièrement... Les fameuses brigades. Les fameuses brigades, d'ailleurs, le terme vient de là. Mais c'est foncièrement indispensable, justement, pour arriver à avoir la régularité. Parce que c'est vrai qu'on répète dans la même journée, on est capable de répéter 200 fois le même geste. Pour arriver à répéter 200 fois le même geste, il faut que personnellement, on se mette une rigueur, une discipline, justement, pour que ce geste soit parfait, que du premier client au dernier client, on ait l'assiette identique. Tout à fait. Et c'est vrai que ça, c'est très, très important. Et ça passe justement par le travail. Ça passe voilà, par répéter des gestes, répéter des techniques, répéter, tourner 500 artichauts avant de les tourner tous de la même façon, lever 500 volailles avant de toutes les lever de la même façon. Voilà, ce que je veux dire à un moment donné, c'est qu'il faut que notre main devienne intelligente. C'est-à-dire que notre main doit maîtriser tous les gestes techniques. Elle doit le faire toute seule. C'est-à-dire qu'on le sent, on le voit quand on reçoit des gens ou quand je vois travailler des cuisiniers. Je sens qu'il y a des cuisiniers, voilà, c'est leur main a compris, c'est leur main qui fait le travail. Elle a une précision voilà, qui est magnifique à voir. Quand on voit Emmanuel qui travaille avec précision, c'est quand même magnifique de voir le travail de la main. Et c'est grâce à tout ça, voilà, grâce à cette répétition de l'effort, grâce à cette répétition d'apprentissage, voilà, qu'on devient un grand cuisinier, qu'on est capable à un moment donné de travailler les yeux fermés. Vous allez me donner un artichaut, en vous parlant, je vais le tourner. Quoi. Oui, c'est ça. Et parce que voilà, ma main a compris. Quoi. Mmh. Et ça passe par le travail. Mais je pense qu'il y a beaucoup de métiers manuels, et pas que manuels, même intellectuels, où il faut quand même voilà, un apprentissage, il faut une rigueur, une discipline pour arriver à garder la liberté. C'est ça qui est des fois le plus difficile à faire comprendre quand on a des jeunes qui rentrent dans notre métier, c'est leur imposer. Alors, on dit une phrase qui n'est pas bien, mais qui est indispensable à comprendre, c'est leur dire tu vas faire ce que je te dis et tu ne cherches pas à comprendre. Parce que je dis tu ne cherches pas à comprendre et dans un mois ou deux mois, tu auras compris pourquoi. Oui, c'est ça. Voilà. Mm-hmm. Je dis à un moment donné, il faut se l'imposer. Je dis, si tu ne t'imposes pas le travail, si tu ne t'imposes pas de te forcer à faire des gestes qui te paraissent anodins, des gestes qui te paraissent un peu répétitifs, quoi, ça sera difficile. Mmh. Alors, tu ne réfléchis pas, tu le fais et tu vas te rendre compte avec le temps que ces gestes-là, ils sont primordiaux pour que tu gagnes toi en liberté. Mmh. Pour qu'à un moment donné, tu sois apte à juger, que tu sois apte à réfléchir, que tu sois apte à créer. Mmh. C'est un processus qui est un peu à l'inverse, c'est une phrase qui n'est peut-être pas très belle, mais fais ce que je te dis et réfléchis pas. Mmh. Vous avez rappelé effectivement ce fonctionnement très organisé de brigade dans une cuisine. C'est vrai que vous n'aimez pas qu'on vous appelle chef ? Oui, je trouve que c'est un peu ridicule. Oui, moi j'ai tellement dit oui chef, oui chef, oui chef, oui chef, je trouvais ça un peu ridicule, donc le oui ou le non est largement suffisant, et c'est vrai que ça peut arriver à m'insupporter. Il ne faut pas oublier que j'ai un caractère de Béarnais quand même. Hein. Et donc, on vous appelle Yves ? Non, c'est oui ou non. Ah, oui ou non. D'accord. Bon, après, les très proches collaborateurs m'appellent Yves. Mm-hmm. Mais après, on a un vouvoiement entre nous qui fait partie de notre métier. Moi, je vois monsieur Constant, Christian Constant, qu'on se connaît depuis maintenant, ça fait plus de 35 ans et on est plus qu'intime. Je dirais, j'ai tout fait avec lui, même les 400 coups. J'arrive pas à lui dire, même à 5h du matin, j'arrive pas à lui dire tu. Ah ouais. Direz-vous. Mais bon, c'est un respect. C'est un respect. Honnêtement, je me rappelle toujours d'une réflexion que j'avais faite à papa quand je suis arrivé, quand j'ai travaillé au départ, arrivé à Paris en 82 ou 3, en 83. Je suis arrivé au Ritz. J'avais été choqué. On se vouvoyait entre nous. On nous imposait voilà, de nous voyer, le personnel, des jeunes qui avaient mon âge, 17, 18 ans, on se voyait. Mais quelque part, ça a une forme de beauté. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que quand vous voyez, quand vous avez des clients face à vous qui voient que les gens se vous voient, voilà, je pense que ça élève un peu la qualité de la maison. Mm-hmm. et le phrasé est très beau. On s'engueule moins, peut-être, quand on se vous voit, non ? Ça, c'est pas sûr. Vous parliez il y a quelques instants de la façon dont vous parlez de votre métier aux jeunes que vous accueillez. Est-ce que ça peut se transmettre une passion ? Bien sûr que ça peut se transmettre. Je pense que c'est même... Je pense que c'est mon devoir de la transmettre. Voilà. Moi, j'ai eu la chance déjà d'avoir des parents qui m'ont éduqué, voilà, qui m'ont éduqué dans des valeurs du travail, des valeurs du respect. Après, j'ai eu une éducation professionnelle donc, dans toutes les maisons où je suis passé, qui m'ont, pareil, qui m'ont tué dans la même philosophie, voilà, qui m'ont appris ce que c'était un produit, qui m'ont appris à me comporter avec respect, en sachant qu'une tomate, elle devait se respecter, même si le coût d'achat de la matière première n'était pas cher, parce qu'il y avait quelqu'un qui l'avait faite, qui s'était baissé, qui s'était fait mal au dos, qui l'avait ramassée sur la terre, donc il fallait la respecter. Voilà. Et surtout, qui m'ont, quelque part, qui m'ont préparé au futur, qui m'ont préparé à ce que je suis aujourd'hui. Et je crois que c'est mon devoir et ce que j'essaie de faire encore au quotidien, c'est, voilà, c'est bien sûr respecter le passé et surtout transmettre ce passé, parce que moi je veux qu'aujourd'hui ce soit plus joli, et surtout ce qui m'intéresse le plus, parce que j'ai quand même deux enfants, qu'il y en a un qui a 27 ans et l'autre qui a 21 ans, c'est que demain, le futur soit encore plus beau.
Et le seul moyen pour que le futur soit plus beau, c'est que c'est à moi à préparer ces gens-là. Mmh. Voilà, c'est à moi à préparer. Et pour finir, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir, je crois qu'à 70% des touristes qui viennent en France, c'est pour de la gastronomie. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même, on a un patrimoine, une histoire gastronomique assez exceptionnelle, qui des fois, c'est vrai, est un peu lourde par rapport à notre évolution, parce qu'on respecte tellement le passé, des fois on se fait scléroser un peu par le passé. Mmh. Mais si on veut que ça continue, si on veut que la France reste ce pays qui est aujourd'hui encore reconnu pour le plus beau pays du monde, point de vue gastronomie, avec cette diversité dans ce petit pays, cette diversité qu'on peut avoir d'artisans et de produits, c'est quand même à nous, voilà, ma génération et les générations qui sont juste derrière moi ou devant moi, de continuer à transmettre, de continuer à faire toucher du doigt cette philosophie qui est le respect autant de la matière première, le respect de notre environnement et le respect de nos clients. Je pense qu'il faut le marteler aux jeunes, comme on nous l'a expliqué à nous, comme on, nous l'a, mmh. comme on a subi notre apprentissage, pour qu'eux, par la suite, puissent continuer à bénéficier de cette aura et surtout de ce plaisir qu'on peut avoir, de cette passion qu'on peut avoir pour notre métier. Mmh. C'est pour ça que vous êtes absolument attaché, foncièrement attaché à la qualité des produits et des producteurs. Parce qu'effectivement, vous leur rendez souvent hommage. Vous leur avez d'ailleurs consacré cette très belle BD sortie il y a 3 ans maintenant. Le premier tome est sorti, Frères de terroir, est sorti il y a 3 ans. Et le deuxième tome est sorti il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'est ça, ouais. Frères de terroir. Il y a un site également, un site internet, sur lequel d'ailleurs j'ai observé avec plaisir que les petits pictos qui figurent sur la carte pour vous localiser, il y en a beaucoup dans le sud-ouest hein, quand même. Hein. Il y en a beaucoup dans le sud-ouest parce que voilà, c'est ma terre d'origine. Et c'est peut-être là où j'ai le plus de d'amis producteurs. Donc c'est logique, et puis je pense que c'est un devoir de moi, pour moi aussi de mettre cette culture du Sud, qu'on a une vraie culture de gastronomie. Et c'est vrai qu'on est, surtout en Béarn, je pense qu'on n'est pas des grands communicants. On vit un peu entre nous, il fait tellement beau en Béarn, il fait tellement bon qu'on n'a pas tendance à se vendre sur l'extérieur. Mm-hmm. Je ne trouve pas assez d'ailleurs, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Donc je pense que c'est à moi, tant que je peux le faire, voilà, de mettre en valeur tous ces gens-là. Mais alors la volonté de Frères de terroir, c'est de bande dessinée, c'était pour faire toucher du doigt, voilà, et surtout, pareil, c'était plus pour aller sur une jeune génération, voilà, parce que je pense que la BD, c'est quand même beaucoup plus facile à lire, ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de livres de cuisine qui sortent. Alors, c'est des belles photos, mais les textes sont rarement lus, malheureusement. Alors, les philosophies sont pas comprises. Donc, c'était cette BD, justement, pour que ce soit accessible au plus grand nombre, que les gens comprennent une chose, que, voilà, c'est que certes, voilà, Yves Candebord, aujourd'hui, c'est un cuisinier reconnu, mais bon, si Yves Candebord, il n'a pas Jean-Bernard Duplantier qui me fait mes volailles, si j'ai pas Fanny Ferrand des Petits Bernets qui me fait mes fromages, et si j'ai pas des amis partout dans la France qui me font des produits et qui tous les matins me livrent à la maison le travail de leur vie, je ne serai pas grand-chose. Quoi, en fin de compte. Parce que c'est ça quand même la cuisine, c'est que certes, on a tous notre philosophie, certes, moi je vais mettre plus de sel, plus de poivre, plus de cacao dans mes recettes, voilà, je vais marquer de ma personnalité, mais avant tout, ça reste quand même le produit voilà, qui va faire la différence et c'est le produit qui va faire le travail. Nous, on a toujours tendance à dire, une fois qu'on a une jolie matière première, bon, on a pratiquement qu'à s'effacer, quoi. Juste à l'accompagner en cuisson et la déposer. Vous êtes un passeur entre le produit et le consommateur. Voilà, on est un passeur et après, voilà, c'est vrai que c'est nous qui sommes les, voilà, qui sommes, étant donné qu'on est au bout de la chaîne et on est au plus proche des clients, on est aussi le représentant, voilà, de tous ces gens-là. Donc ces BD, c'était pour faire comprendre, voilà, cette philosophie que ces producteurs ont et surtout pour faire voir le travail d'exception qu'ils font et leur rendre hommage par rapport au travail qu'ils font, par rapport à la gastronomie française, parce que sans eux, les cuisiniers français n'existeraient pas. C'est QFD. Dites-moi, comment... parce que des produits de qualité, il en existe beaucoup, finalement, mais qu'est-ce qui fait la différence après? C'est le producteur, c'est la relation que vous avez avec lui, sa façon de travailler, quand vous allez sur place, vous allez les rencontrer. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, le choix que j'ai personnellement avec tous les producteurs, il y a un choix humain d'abord. Voilà. Je reste persuadé aujourd'hui que voilà, un bon restaurateur qui n'est pas sympa, je n'ai pas envie d'y aller. Voilà. Je le dis toujours, ça peut être la plus grande table. Non plus. Hein. Voilà, ça peut être la plus grande table du monde où je n'irai pas parce que voilà, humainement, le gars n'est pas sympa. Donc je cherche des gens avec qui voilà, je vais avoir une relation sincère et honnête. Et surtout, je cherche des gens en permanence, des gens qui font un peu le travail que j'ai toujours vu moi à la maison. C'est un travail de propreté. Voilà. C'est de que ce soit qu'on élève ou qu'on cultive, c'est un respect de l'environnement. Voilà. Sans entrants chimiques, j'espère qu'il y en aura de moins en moins, même si aujourd'hui je pense qu'il y en a encore beaucoup trop, mais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en général maintenant par beaucoup de producteurs français. Et c'est des gens qui font un produit de caractère. Voilà, c'est des gens que je vais goûter le produit, que ce soit une carotte, que ce soit une Saint-Jacques, un homard ou un bar ou une volaille, un produit qui ne va pas me laisser indifférent. Un produit où je vais trouver voilà, une typicité. Voilà, je veux dire que ce soit pas obligatoirement que dans le sud-ouest, hein, mais dans toute la région. Et après, voilà, c'est aussi c'est peut-être le côté commercial qui est le plus délicat pour nous, c'est
de trouver aussi des gens qui vont arriver à nous suivre par rapport aux quantités. Oui, c'est ça. Voilà, parce que c'est vrai que d'élever malheureusement trois volailles d'exception, c'est pas que je dis que c'est pas facile, le mot facile peut être mal choisi, mais on peut le faire quand on va leur demander que toutes les semaines il nous en faut 30. Voilà, faut trouver aussi quelqu'un qui rentre aussi quand même dans cette forme de compétition de production, tout en préservant son environnement et en continuant à faire une matière première de qualité. Comment vous êtes dans le quartier de l'Odéon, hein, vous avez investi le quartier de l'Odéon aujourd'hui, après l'aventure de la régalade. Comment c'est intervenu la régalade? Vous avez quitté un peu la brigade de Christian Constant, l'entourage de Christian Constant. C'est lui qui a eu cette jolie phrase, tout seul tu iras plus vite, mais ensemble on ira plus loin. Oui, c'est Christian Constant, c'est un peu sa phrase du quotidien. Ouais. C'est une phrase qui parle d'elle-même. Quoi. Ouais, c'est, ouais. Qui parle d'elle-même. Ça, je pense que c'est dans n'importe quelle situation de notre vie du quotidien, on devrait se la marteler plus souvent. Ouais. Non, l'envie de liberté, le Ritz, le Crillon, la Tour d'Argent, la Marée, que des 2-3 étoiles pratiquement pendant 15 ans de carrière. Voilà, des lieux où j'ai appris à travailler, où que encore aujourd'hui, quand j'en parle, j'ai beaucoup d'émotions. Quand j'y vais, voilà, j'ai encore toujours la larme à l'œil parce que c'est des maisons extraordinaires. Ouais. Mais le seul chose qui me dérangeait par rapport à ces milieux, c'est que déjà, moi, j'étais un acteur. Voilà. Je me sentais acteur, je me suis jamais senti moi-même. Et c'est-à-dire que je jouais un rôle. Voilà. Je jouais un rôle, on me donnait une partition que je pense que j'accomplissais à plus de 200% de mes moyens. Je donnais tout ce que je pouvais, mais en sachant que je n'étais jamais moi-même. Vous aviez envie d'autre chose ? J'avais envie de moi-même. Je me rendais compte qu'à un moment donné, est-ce que toute ma vie, je pourrais être, comme si j'étais un acteur, que je ne pouvais que jouer. Voilà. Est-ce que je ne peux pas être moi? Et c'est après la seconde chose qui me touchait dans ces maisons et qui me posait aussi un problème, c'est que je me rendais compte que plus ça allait, plus manger, bien manger, c'était élitiste. Voilà, parce qu'il y avait un problème de prix, donc ce n'était pas accessible au plus grand nombre. Et c'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre, parce que je me rendais compte que quand j'allais manger dans des endroits, voilà, dans les années 90, même si ça a beaucoup évolué maintenant dans beaucoup de maisons parisiennes et même dans la France, dès qu'on allait manger sur des choses un peu basiques, voilà, ça n'avait aucun intérêt, c'était totalement insipide, c'était une matière première qui n'avait aucun sens. Voilà. Et puis même les personnes qui travaillaient là-dedans étaient des automates qui ne mettaient pas justement de passion. Mmh. Voilà, ils travaillaient, ils étaient capables de fraudir sans aucune réflexion. Donc mon idée a été à dire, je suis allé voir M. Constant, voilà, je lui ai dit, voilà, je vais m'en aller. Alors, monsieur, il m'a dit, tu ne vas pas partir qu'en deux, ce n'est pas possible, tu as 15 ans de carrière, tu vas finir grand chef dans une grande maison. Et je lui ai dit, je pense que c'est pas ce que j'ai envie, au fond de moi-même. Parce que techniquement, et point de vue égo de cuisinier, c'est ce que j'ai eu envie. Bah, c'est la reconnaissance, c'est l'or, c'est l'argenterie, voilà, c'est les grands du monde. J'ai dit, mais je pense que humainement, c'est pas ce qui me conviendra le mieux. Et je crois que si je ne fais pas le bon choix maintenant, je peux le regretter très longtemps. Donc j'ai dit, écoutez, je vais tout arrêter et je vais trouver un local. Je vais trouver un local et puis je vais m'installer. Et je vais faire une auberge. Voilà. Mon idée, c'était faire un peu l'auberge des mousquetaires. Voilà. Ah oui. Mon idée, c'était faire un lieu un peu plus convivial. Alors, en reprenant pareil, une phrase de Kurnonski, c'était dire, voilà, on ne va pas au restaurant pour manger les rideaux. Là, on va au restaurant pour passer un moment. Pas faux. Après, les rideaux peuvent être beaux aussi. Mais bon. Après, surtout aussi, c'était à un moment donné de faire tomber des codes. Parce que je me rendais compte que ça devenait... Alors, j'ai invité des fois des amis à venir manger au Crillon. Enfin, ils m'appelaient, ils me disaient comment il faut s'habiller. Alors, je les sentais quand ils rentraient là-dedans. Alors, c'est vrai que c'était étouffant. Et majestueux à la fois. Parce que c'était luxe, que je les sentais pas à l'aise. Voilà. Je les voyais, que je les connaissais des copains d'enfance. Ils s'assiedaient à table, je les sentais un peu serrés. Alors, j'ai dit, gars, décontractez-vous. Et moi, je me rendais compte que moi, j'étais habitué, ça ne me faisait plus rien. Mais il y avait tous ces codes, toute cette façon de se comporter autour de la haute gastronomie, tu vois, qui me posait problème. Je me disais, attention, est-ce qu'on n'est pas en train de faire des musées? Alors qu'un restaurant, ça doit être quand même un lieu social et ça doit être un lieu de vie. Donc cette réflexion est partie comme ça. Donc j'ai cherché un local. On a tourné pas mal pour le trouver parce qu'on avait, voilà, financièrement, c'était un petit peu compliqué. On n'avait pas des moyens. Et là, j'ai eu la chance, voilà, Christian Constant, qui me voyant un peu avoir des problèmes de financiers pour arriver à trouver le local qu'il fallait, m'a dit, écoute, monsieur Cancandeu, si tu veux, je peux t'aider financièrement. Voilà, moi, je suis un peu plus aisé que toi, donc je peux te prêter de l'argent pour trouver un lieu. Donc, on a trouvé un lieu dans le 14e arrondissement, la Régalade, qu'on a appelé la Régalade. Et on a fait simplement ce que je pensais, quoi. Voilà, ce qu'on a fait, voilà, c'est tout ce que je viens de définir. Et inconsciemment, on ne s'est pas rendu compte de ce qu'on faisait, quoi. Parce que je pense que ça a chamboulé un peu au départ la vie gastronomique des restaurants de Paris, après de France,
Et maintenant, pratiquement du monde entier. Ouais. Tout à fait. Voilà. C'était une réaction à ce que vous aviez vécu. Cette cuisine de bistrot, hein, dont on vous reconnaît la réinvention, finalement. Ouais. Non pas l'invention, mais la remise au goût du jour. C'était effectivement en réaction à ce que vous avez vu, cette cuisine un peu empesée, un peu trop codifiée à votre goût, de revenir au sens même, à l'essence même de la cuisine que vous aviez connue et que vous aviez envie de faire. Oui, c'était refaire de l'huile de vie. Quelque chose qui vive. On a fait les mêmes assiettes, on a fait les mêmes produits, on a fait les mêmes assiettes, mais je voulais que ça vive. Mmh. Voilà, je voulais que ça vive. Alors, et moi, j'ai un exemple qui est. Alors, tous les Palois vont comprendre. C'est le Berry. Voilà. On habitait à côté du Berry, mais le Berry m'a toujours fait rigoler parce qu'il y avait monsieur le maire, il y avait monsieur le préfet, tout le monde. Les ouvriers, les médecins, et tout le monde s'entendait, tout le monde rigolait. Alors, c'est vrai que c'était une couler des fois, les uns contre les autres. Couler les uns contre les autres, une cacophonie. Oui. Mais pour moi, c'était l'image de la restauration. L'assiette, bon, elle était ce qu'elle était, mais il y avait une forme de partage et d'émotion générale où on sentait qu'il y avait une communion humaine dans un établissement. Jacqueline et Marcel, c'est ça, qui étaient capables de dire « tu me fais chier ». C'est ça. Il y avait cette gouaille qui était d'époque, on va dire. Mais il y avait de la vie. Et donc, je pense que j'ai inconsciemment été élevé dans ces ambiances-là. Donc, j'ai eu besoin de retrouver cette vie, ces lieux où ça bouillonne un peu, ces lieux voilà, où il y a un peu plus de bruit, que le fond sonore n'existe pas, où on n'a pas besoin de mettre de musique pour mettre de l'ambiance, que c'est le client qui est roi, c'est le client qui va se comporter de façon décontractée et qui va créer son ambiance. Mmh. Et ce que je voulais impérativement y rajouter, c'était ma cuisine, la cuisine gastronomique que j'avais apprise. Alors, je me suis battu longtemps avec ça parce que je ne voulais pas que... Voilà, on a créé ce fameux mot, là, Sébastien Domoran, dans les années 93 ou 14. La bistronomie. La bistronomie. Mais moi, je lui ai dit... Vous êtes dégueulasse de dire ça. Pourquoi ? Mais parce que c'était une fois de plus, c'est une cloisonnée. Ouais. Moi, je dis, je ne suis pas un bistrotier, je suis cuisinier. J'ai appris dans les grandes maisons, je fais les mêmes assiettes corrites, les mêmes assiettes co-crayons. On se bat là-dessus dans une ambiance décontractée. Pourquoi on a besoin, une fois de plus, de nous mettre dans un tiroir ? Laissez-nous tranquilles. Mmh. Voilà. Bon, après, c'est parti tellement au départ, on s'est un peu battu avec ça. Mais après, ça a pris une telle ampleur médiatique qu'on n'a pas pu l'arrêter. Mais j'aurais préféré qu'on nous appelle les aubergistes. Voilà, parce que je crois, moi, aujourd'hui encore, à l'avenir de la restauration française et même mondiale, c'est qu'il faut qu'il y ait des auteurs. Notre métier, malheureusement, est de plus en plus pris par des groupes, par des gros financiers qui en font que du business. Alors certes, nous aussi, on gagne nos vies, on fait quand même du business, on ne va pas se voler la face non plus, mais on y met l'âme. Et je pense qu'on a besoin de rentrer dans un lieu où il y a une personnalité. Mmh. Qu'elle soit de bonne humeur ou de mauvaise humeur, à la limite, ce n'est pas grave. Mais qu'il se passe quelque chose et que quelqu'un qui amène ce supplément d'âme, ce supplément d'émotion qu'on a besoin dans notre quotidien. Mmh. Alors, on a tendance aujourd'hui à vouloir aseptiser un peu tout. On nous impose presque à se ressembler, tous se ressembler, à avoir des discours assez lisses les uns et les autres. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me révolutionne. Donc, je voulais impérativement justement faire un lieu de vie, un lieu où il y a de la passion, un lieu où il y a du partage, tout en respectant mon métier. Je suis cuisinier français, je le revendique et je veux le mettre en valeur et continuer à faire des assiettes gastronomiques. Mmh. Vous faisiez du riz au lait à l'ancienne, au Ritz ou de la blanquette de veau ? Alors, je faisais, oui, mais dans ces grandes maisons-là, à l'époque, il y avait encore la chance d'avoir des cartes qui étaient assez larges pour permettre justement de faire ces grands classiques. Oui, parce que cette époque-là, c'était des représentants de la gastronomie française. Mmh. Et le monde entier venait en France. Ils ne venaient pas pour manger du sushi ou manger quelque chose avec du gingembre ou de la citronnelle. Ils venaient justement pour le riz au lait à l'impératrice. Mmh. Voilà. Mais si on prend tous les classiques français du début du 19e siècle, c'est tout ce qu'on mange dans notre quotidien qui nous paraissent, nous, aujourd'hui, assez anodins. Mais le monde entier nous l'envie. Oui, moi, je le vois encore. Un petit exemple que je cite tout le temps. Alors, on fait une daube. Voilà, on fait une daube de joues de bœuf, de façon un peu plus classique. Elle cuit combien de temps ? Ouais, elle cuit pratiquement, ça doit cuire pratiquement 12 heures à basse température. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a des méthodes maintenant de travail qui donnent plus d'onctuosité, plus de légèreté. Voilà, c'est beaucoup plus digeste. Mais on fait quand même les petits oignons, les petits lardons, les petites pommes de terre, des coquillettes. On l'a fait. Cet été, on l'a enlevé parce que voilà, c'est pas des plats d'été. Là, c'est au comptoir. Hein. Ouais, je parle au comptoir. Ouais. On l'a enlevé, je crois, au mois de mai. Donc, Jackie, mon directeur, au bout de 15 jours, il m'a dit, chef, vous allez la remettre. Parce que c'est pas une émeute, mais les gens se plaignent. Et c'est ça. Et surtout, les étrangers. Mais moi, je les comprends, parce qu'on vient à Paris, on vient en France, on veut manger du français, on veut manger l'histoire de France. On vient parce que, justement, ce pays nous fascine. Ce pays a des racines profondes, ce pays a une culture gastronomique incroyable qui date pratiquement de plus de 10 siècles. Donc on veut le voir, on veut le toucher, on veut l'appréhender, on veut le comprendre.
Et ça, c'est très important, justement, de continuer à préserver ce patrimoine qu'on a. Et c'est quand on ne le fait pas, on s'en rend compte de suite, quoi, que certes, il y a une forme d'évolution, mais il y a une forme de mondialisation du goût. Et est-ce que cette mondialisation du goût sera intéressante ? Mmh. Si dans 10 ans, on mange la même chose, que ce soit au Cap, oui, à New York, à Tokyo, à Paris, à Londres, ça n'a pas grand intérêt. Tout à fait. Gardons voilà, cette spécificité. Cette exception culturelle. Cette culture. Et surtout, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas en avoir honte. Voilà. Mmh. Elle est là, elle est importante. Alors par contre, c'est vrai que je pense qu'il faut la rendre contemporaine. Voilà, parce qu'on ne se nourrit pas de la même façon qu'on se nourrissait en 1970, en 2017. Tout à fait. Je pense que le consommateur aujourd'hui, on fait tous plus attention à ce qu'on mange. On a besoin de plus de légèreté, plus d'onctuosité. Voilà, mais on peut, je pense, avec les méthodes de travail, surtout avec l'évolution de la matière première, l'évolution des produits, on peut y arriver sans aucun problème. C'est ce que j'allais dire. C'est même au profit du produit, d'ailleurs. On dénature peut-être un peu moins le produit. Le produit, il y a une excellence du produit. On l'a débarrassé un peu de tout ce qui l'alourdissait peut-être aussi pendant des générations dans nos modes de cuisine et de préparation d'alors. Je pense que le gros défaut du cuisinier, je me mets complètement dedans, c'est que des fois, on a trop d'ego. Voilà, on veut trop se mettre dans l'assiette. Mmh. Voilà, parce qu'on veut marquer et dire, là, c'est du camp de bord, parce que j'ai mis ça, ma philosophie. Et alors qu'au fond de nous-mêmes, on a une phrase qu'on a écrite, d'ailleurs, moi, je l'ai écrite dans les murs de ma cuisine, c'est que le plus compliqué, c'est faire simple. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que c'est le plus compliqué, c'est faire simple. Parce qu'à un moment donné, la simplicité, c'est quoi ? C'est qu'il faut avoir voilà, la force de s'effacer, mmh, la force de se retirer. Quand on a la chance, voilà, quand on est en France, quand on a la chance d'avoir ce goût marqué sur n'importe quelle matière première, c'est des aliments qui ont cette telle puissance, cette telle saveur, je pense qu'il faut les accompagner et s'en aller. Mmh. Mais c'est très difficile à faire et je pense qu'il faut des années pour arriver à comprendre ça. C'est peut-être qu'avec l'âge, de plus en plus, voilà, on le comprend et on met en valeur voilà, ce produit. Mais culturellement, la gastronomie française, c'était ça. Mmh, mmh. C'est le cuisinier qui a pris un peu le pouvoir, l'ego. Mmh. Cette idée que vous avez eue, ou qui a toujours cours peut-être, au comptoir, d'avoir le midi une carte plus plutôt bistrot, on va dire, et puis le soir plutôt gastro, c'était parce que vous aviez envie de faire ces allers-retours comme ça, ou parce que pour vous, finalement, tout ça, c'est un tout, c'est la même chose? Alors, c'est déjà, je pense que c'est un tout et c'est la même chose parce qu'on fait qu'on cuisine. Hein, parce que le mot cuisiner, qu'on cuisine une carotte râpée ou qu'on cuisine un bar au caviar, ça se rappellera toujours ouais. Cuisiner. Et après, c'était peut-être. J'ai eu envie de faire tomber ce cliché. Voilà, parce qu'il y a bien souvent des journalistes qui simplifient beaucoup de choses sans aucune réflexion, sans aller voir en profondeur. Voilà, quand ils étaient capables de dire qu'on faisait que du boudin et que de la terrine. Certes, on le fait, j'en suis très fier de le faire. Mais je leur disais, les gars, est-ce que vous avez regardé, on ne fait pas que ça. Ouais. Voilà. Je pense que c'était la force des établissements comme les nôtres, c'était le respect du produit. Dans le sens que, quoi qu'on travaille, si on travaille un œuf mayonnaise ou si on travaille un lièvre à la royale, on y met la même conviction, la même profondeur, la même précision et le même choix de la matière première. Mmh. Et notre but, c'est, quel que soit le prix de vente d'un plat, voilà, l'émotion doit être identique. Oui. Le plaisir doit être identique. Si on vend un plat à 6 euros ou à 10 euros ou qu'on en vende à 40 euros, je pense qu'il faut que le client, quand il le mange, il se dise il se passe quelque chose. Mmh. Je prends du plaisir. Je me fais plaisir et c'est très bon. Mmh. Ce que je dis toujours, l'émotion du goût n'est pas due au prix d'achat de la matière première. Mmh. Elle est simplement due au respect qu'on peut y mettre par rapport au produit et l'investissement du cuisinier. Et donc le fait voilà, de faire ces deux formules, c'était pour justement revendiquer qu'on était aussi bien capable de faire une tarte tatin de boudin noir de mon père d'exception que de faire un lièvre royal, que de faire une chartreuse de palombe, que de faire un bar au caviar. Mmh. Voilà, on était des cuisiniers, on était des vrais cuisiniers. C'est pour ça qu'on a mis ces deux formules en place, justement pour donner la possibilité à tout le monde de venir. Et selon l'heure de la journée où ils viennent, ils ont des propositions différentes. Mmh. Vous n'avez jamais reçu d'étoile Michelin ? C'est un manque, une frustration ? C'est un... Oui, c'est un manque, c'est une frustration. Ça, c'est un peu compliqué. J'arrive pas toujours à l'expliquer. Voilà, c'est qu'on a été élevé. Michelin reste pour moi la référence mondiale du guide gastronomique. Hein, parce que voilà, et pas en plus, c'est parce que c'est encore des Français, c'est encore des privés. Mmh. Et je pense que même si c'est un peu poussiéreux et un peu vieux comme boutique, voilà, ça reste le goût français. Eh oui. Voilà. Et donc, c'est vrai que quand j'ai... vous savez que quand on travaille dans les maisons comme le Ritz, le Crillon, on se lève Michelin, on pense Michelin, on dort Michelin, on boit Michelin. C'est toute la journée qu'on pense qu'à ça. Là, ça, on a été éduqués comme ça. On a cette jouissance par rapport à ce guide qui est pour nous le Graal. Quoi. C'est notre Coupe du Monde à nous. Et quand je me suis installé donc en 90,
Voilà, je pensais honnêtement continuer à aller dans le sens du Michelin, mais c'est vrai que bon, on a peut-être on a été un peu précurseur et on a cassé les codes un peu trop facilement. Voilà, c'est vrai qu'on a enlevé le luxe, j'ai enlevé le service, j'ai enlevé l'art de la table. Là, parce que c'est vrai qu'on pratiquait des prix à l'époque, on a démarré, je crois, à 110 francs. Donc on ne pouvait pas se permettre de mettre du cristal et de l'argenterie pour continuer à voilà, être capable de payer mes fournisseurs, capable de payer mes employés et capable de me payer correctement à moi. Bien sûr. Donc il fallait quand même économiquement réfléchir à cette situation-là. Et donc Michelin voilà, n'a jamais compris ce qu'on faisait, voire à un moment donné a pensé qu'on cassait un peu des codes de la grande gastronomie française. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte qu'on les a peut-être dépoussiérés et bousculés. Mais sauf qu'on leur a donné, je pense, un souffle de jeunesse, on a donné un peu plus de souplesse, un peu plus de plaisir et de passion autour de la table, et que voilà, Michelin est en train maintenant, tout doucement, peut-être aussi quand même de rattraper ce temps perdu. Donc d'ailleurs, on le voit, l'actualité dernière, c'est que Michelin a racheté le guide du fooding, là, parce qu'ils ont besoin d'avoir une vision beaucoup plus jeune de la scène gastronomique, voilà, parce que c'est un peu poussiéreux, un peu ancestral. Mais voilà, je reconnais que ce sera toujours un petit manque, que j'aurais eu une étoile Michelin, je pense, avant les années 2000, il y aurait eu une semaine après qui aurait été difficile, qui aurait été très difficile avec moi et mon ensemble de personnel, parce qu'on aurait, je pense qu'on aurait fêté ça avec joie et bonheur et surtout avec beaucoup de fierté. Que pensez-vous de l'attitude du fils de Michel Bras qui justement a dit stop, moi la course à l'étoile, j'en veux plus. Bon, déjà, penser pour les autres, c'est compliqué, parce que je pense que c'est super personnel. Donc là, je ne me permettrai pas trop d'avancer là-dedans. Parce que... Mais ça fait peut-être un peu écho à ce que vous venez de dire. Ouais, c'est pour ça que c'est délicat, parce que moi, j'ai eu Sébastien, je le connais un petit peu, et je sais que Sébastien est un personnage exceptionnel, d'ailleurs, comme toute la famille Bras. Et c'est d'autant plus, voilà, je pense que ça a été d'autant plus médiatisé et fort que ça vient de chez les Bras, quoi, qui sont pour nous, voilà, entre la famille Trois-Gros, la famille Bras, c'est peut-être aujourd'hui les deux plus grandes familles gastronomiques, en plus deux familles d'exception. Des gens qui ont une lucidité, qui ont perpétué une tradition française et familiale énorme. Donc on leur voue tous une admiration fabuleuse. Et moi, je leur voue encore plus d'admiration. C'est que, voilà, que je sais que le seul regret de ma vie, alors ma vie n'est pas finie, mais bon, je pense que malheureusement, je ne le ferai sans doute pas, c'est pas avoir fait quelque chose sur mes terres. Ah, c'est vrai, ça va venir, ouais. Yves. Je ne sais pas, mais bon, ça m'étonnerait. Mais, non, mais c'est important. Ouais, si vous faut un local, on peut vous aider. Non, mais quand je vois les Bras et les Trois-Gros faire ça, je trouve ça exceptionnel d'avoir réussi à rester sur leur terre et remettre en valeur ce terroir qui leur est cher, leur tradition à eux, leur culture. Et donc Sébastien a vécu quand même une carrière professionnelle. Déjà, c'est un grand cuisinier, parce que c'est pas que le fils de son père, c'est avant tout quelqu'un qui a travaillé, qui a fait le même cursus professionnel que j'ai pu faire, qui s'est énormément investi et qui a repris la maison Bras maintenant il y a 10 ans. Là, je pense que Sébastien, peut-être qu'aujourd'hui, il se rend compte de cette pression que le Michelin met. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas se l'expliquer parce que c'est nous qui la voulons. C'est un peu le chien qui se mord la queue. Et donc, il se rend compte qu'il a peut-être envie de vivre avec plus de légèreté, faire son métier peut-être avec moins, en étant peut-être plus posé et plus concentré sur l'essentiel, qui est simplement de faire du bien à ses clients. C'est ça. La meilleure étoile, elle est là. La meilleure étoile est là, mais on a l'ego, c'est très compliqué. Et je pense que Sébastien, par rapport à ça, a fait un choix. Et je trouve que c'est un choix qui est très, très courageux. Voilà, parce que c'est déjà un choix. Je ne sais pas du tout la réaction de son papa, qui a fait toute sa carrière professionnelle, qui a amené le monde de l'Aubrac au niveau international, point de vue référence gastronomique, grâce aux 3 étoiles Michelin. Voilà, la seule chose que j'espère, c'est que les consommateurs ne lui entendront pas rigueur. Parce que je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais si vous avez la chance de passer par là-bas, ou du côté de la Guiole, c'est un grand moment. Ouais, c'est surtout un grand moment d'humanisme. Où va-t-il dîner et déjeuner, Yves Candebord, quand il a envie de bien manger? On va noter les adresses. Non, mais j'aime aller manger, comme je dis tout à l'heure, chez des gens qui sont gentils. La première chose, c'est très important. Mais c'est pas facile à voir sur une carte. Alors, c'est vrai que la chance qu'on a, nous, c'est qu'on connaît un peu notre milieu. Mais je dis souvent, mais même le gentil, c'est pas obligatoirement que gentil dans l'ambiance du restaurant. Voilà. Je dis souvent, je peux aller dans un restaurant. Oui, que je peux aller dans un restaurant où la cuisine est magnifique. Si je sens une ambiance qui est un peu coincée, que des serveurs sont mal à l'aise ou pas sympas, bon, j'ai peut-être que l'assiette, elle vaut 3 étoiles Michelin. Mais si le lendemain, je vais dans un restaurant où l'assiette vaut peut-être qu'une étoile Michelin ou 0 étoile, peu importe, mais qui a une forme de chaleur humaine, qui a une forme d'esprit dans l'établissement, je préfère aller manger dans cet établissement-là. Mmh. Après, sur la scène paloise, je crois que c'est en train de se révolutionner pas mal, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont en train de s'installer. Je trouve que Pau n'a jamais...
J'ai rarement vu tant de tables sympathiques autour de, sur Pau que depuis quelques années. C'est en train de bouger, voire des environs. Oui. Bon, le premier à qui je pense, bien sûr, c'est mon frère de cuisine. Je veux dire, c'est David Ducassou au Cap et Tout. Voilà, parce que voilà, il y a de la puissance. Il y a de la puissance, il y a de l'intelligence. Il y a de la puissance, il y a de l'intelligence, et puis il y a de la conviction. Et puis le travail que David a toute proportion gardé, je pense que c'est un travail comme les bras, comme je disais tout à l'heure, et les trois gros réalisent dans leur quotidien, c'est-à-dire remettre en valeur, amener. Je pense qu'il incite beaucoup de producteurs locaux à faire de la qualité, à aller rechercher des produits. D'ailleurs, j'ai la chance d'en bénéficier parce que je pense que quand David commande quelque chose, il en commande 50% pour moi qui m'envoie à Paris. Donc, je peux en parler des produits que David choisit, c'est assez exceptionnel. Et puis le lieu, voilà, je pense que le lieu, on y rentre dedans, on croque le Béarn. Ouais. Voilà, ça me fait plaisir un peu de redescendre chez moi, de voir un Béarn, certes avec ses traditions, mais avec un côté aussi un petit peu contemporain, avec une approche différente du côté traditionnel qu'on peut avoir chez nous. Mais après, il y a rue Valérie-Ménière, j'ai peut-être écorché le restaurant, c'est la Pipelette. Les Pipelettes. Les Pipelettes aussi, j'ai eu la chance d'y aller. J'ai été étonné par la qualité, aussi. Très bonne adresse, pareil, voilà, où on sent quelqu'un qui est pareil, qui est investi, qui croit à ce qu'elle fait et qui met du cœur, avec les défauts de cette passion, parce que la passion, des fois, nous amène à faire des bêtises les uns et les autres. Mais je pense qu'il faut passer par les erreurs pour grandir. Quoi. Mmh. Je pense que c'est indispensable. Mmh. Donc, la pipelette, très, très belle. L'amateur de thé aussi. Remarquable. Vous parliez du fooding tout à l'heure. Voilà, qui n'a rien à voir avec notre culture béarnaise, mais pareil. Mais qui a su faire cette alliance-là. Qui est magnifique. Nous avons... Nicolas Lormeau aussi, Louis Bérit. Louis Bérit qui s'est installé. Donc, j'ai eu la chance d'y aller que dernièrement, pareil, mais... Ça fait plaisir en plus face à ma paroisse Saint-Martin. C'est ça. Donc, vous avez fait la communion là, non? J'ai tout fait, moi, là-bas. Ouais. Je me suis même marié, j'ai baptisé mes enfants, j'y ai tout fait. Non, mais voilà, d'arriver dans des endroits comme ça, de gars qui viennent, qui ne connaissaient pas la région, ouais, et qui intelligemment, de suite, a rassemblé autour de lui tous les producteurs, des producteurs qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'avoir aussi des références dans la ville pour leurs produits. Alors, c'est très, très bien. Après, il y en a encore d'autres. Mais après, bon, moi, je suis un peu intervenant avec des amis d'enfance, même si moi, je ne cuisine jamais. Mais, vous irez faire un tour à l'Escar prochainement, à la Raditz aussi. Alors, je l'oublie, la Raditz. Ah. Non, mais je vais en oublier. Je ne peux pas citer tout le monde. Non, c'est sûr. Il y a du bon. Mais la Raditz, pareil. Ouais. Et c'est vrai, vous avez raison. C'est émergence, effectivement, de bonnes tables. Hein. Mais alors, tu voyais, par exemple, l'exemple de l'Escar. Je sais qu'il a du mal à remplir. Ouais. Il a du mal à remplir. Mais quand j'y vais, moi, je me dis comment c'est possible. Parce que le travail technique qu'il fait, c'est l'investissement qu'il fait, l'amour qu'il a pour ce métier, et ce jeune couple, et c'est dommage parce qu'il n'est peut-être pas encore assez connu. Ouais. Et peut-être, après, c'est vrai aussi qu'il faut, des fois, moi, je leur dis, les gars, je dis, lâchez-vous plus. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Je pense qu'il faut aussi que notre métier évolue dans le sens qu'il ne faut pas qu'on se prenne au sérieux. Il faut qu'on soit simple, qu'on soit nous-mêmes, avec nos qualités et nos défauts. Monsieur Constant nous disait une phrase pour nous qui était très importante. Il nous disait, parce qu'on a été tout un groupe les années 87-92 au Crillon, des Jean-François Piège, 3 étoiles Michelin aujourd'hui, des Emmanuel Renaud, des Éric Fréchon. Voilà, on est resté pratiquement 5-6 ans. Yannick Aleno, on est resté 5-6 ans ensemble tous. Et Monsieur Constant nous prenait les uns après les autres. Il nous disait, les gars, vous avez des défauts, mais vos défauts, c'est vos différences. Ouais. Et ça, je ne vais pas y toucher. Parce que sinon, on se ressemblera tous, on va s'ennuyer entre nous. C'est la personnalisation. Voilà. Et par contre, vous avez des qualités. Ouais. Et les qualités, on va y aller, on va les pousser. Voilà. Vous allez rester ce que vous êtes, mais en poussant vos qualités. Mmh. Et je crois que c'est important d'assumer ce qu'on est. Mmh. Voilà. Et quelque part, je pense que dans le métier de restaurateur, je crois qu'il y a encore ce pas supplémentaire à faire, c'est que les gars se libèrent. Les gars ne se prennent pas au sérieux. On est comme on est, on a nos défauts. Des fois, on ne met pas le verbe, le sujet, le complément, mais ce n'est pas grave. Voilà. Je pense que si on parle avec nos mains, qu'on parle avec notre cœur, qu'on parle avec nos yeux, c'est important. C'est ça qu'on sent. Et c'est ça qui va animer les restaurants. Et c'est peut-être ça aussi qui incitera les gens à revenir, de sentir qu'il y a un auteur qui est comme il est, mais qui est présent et qui met du sien, qui met de la joie, de la bonne humeur et de la passion dans ce qu'il fait. Mmh. Yves Candebord, le thème de cette édition, c'est passion singulier et pluriel. Parlez-nous de cette autre passion qui est la vôtre depuis quelque temps pour les livres et l'écriture. Alors la passion du livre, je l'ai depuis un bon nombre d'années parce que je me suis toujours intéressé par rapport à mon métier au départ. Parce que quand j'étais jeune, j'ai très très peu lu, voire pratiquement pas. J'ai commencé à lire justement en essayant de comprendre ce qui s'était passé avant moi culturellement dans mon métier. Et donc, j'ai été fasciné par la façon qu'on peut avoir à jouer avec les mots. Voilà, et surtout, si on prend un mot comme passion, justement par rapport à aujourd'hui, je me suis replanché un peu sur toutes les déclarations autour de la passion. Et je crois que le mot passion, on peut le tourner dans tous les sens. On peut lui faire dire pratiquement ce qu'on veut. Voilà, et c'est réel. Et je trouve que c'est quelque chose qui me fascine parce qu'étant donné que j'ai été, à part en troisième, où j'ai eu un 10 en français parce que Madame Barrère, qui était d'ailleurs, elle est dans la salle.
Non. qui était ma professeure de français en troisième à Vargueuil de Navarre, venait acheter les saucisses tous les jours à maman et papa. Donc j'avais 10, je la soupçonne. Grâce aux saucisses. Je soupçonne que maman ne lui fasse pas payer les saucisses parce que bon, elle ne me l'a jamais dit, mais je ne sais pas. Et donc, j'ai eu un complexe. J'ai toujours eu un complexe justement par rapport à ça. Et ce complexe, je l'ai transformé par l'intérêt de la lecture pour arriver à comprendre ce qui s'était passé avant moi dans mon métier. Là, parce que je voulais comprendre ce qui s'était passé réellement pour que moi, ce que je disais tout à l'heure, je sois capable de transmettre pour aujourd'hui et pour demain. Alors ça, c'est ce qui m'intéressait le plus. Et le fait, quand on commence à lire, je pense que c'est comme tout. Quoi, ça devient assez violent parce que lire, je trouve que c'est aussi un peu dangereux parce qu'on s'enferme. On s'enferme très facilement dans sa bulle. Et pour son environnement, c'est toujours très compliqué. Mais ça se partage. Mais aussi. Ça se partage, oui, ça se partage aussi. Mais j'ai vraiment beaucoup lu et je continue à beaucoup lire parce que ça me plaît. Et dernièrement, j'ai essayé de commencer à écrire. Voilà. Parce que moi, j'ai un ami qui s'appelle Sébastien Lapac, qui est un journaliste littéraire du Figaro, qui a pris Goncourt de nouvelles il y a quelques années, voilà, qui me connaît parfaitement. Puis ça fait 30 ans, pas loin de 30 ans qu'il me connaît. Et donc, c'est lui qui m'a incité, qui a fait tomber un peu la barrière de l'appréhension, un peu de la honte de ne pas savoir faire un accord ou de pas connaître mes tables de grand-mère convenablement. Et c'est assez étonnant parce que ça m'amène beaucoup de confiance. Ah. Ça m'amène beaucoup de confiance parce qu'en fin de compte, j'ose. Voilà, je me dis pourquoi pas, puis j'ose. Et puis en finalité, quand je mets un certain temps parce que la feuille blanche reste quand même assez régulièrement blanche. Mais je suis heureux et fier de ce que j'ai, même si je ne publierai jamais. Encore que j'ai publié dernièrement un petit texte. Mais que c'est surtout pour mon confort personnel et pour mon plaisir. Ah, mais c'est essentiel, le plaisir. Donc peut-être que la prochaine fois qu'on accueillera Yves Candebord aux Idées Mènent le Monde, c'est Yves Candebord écrivain ? Non, je pense pas. Non, je passe cette ambition-là. Non, non. Non, non, mais après, je crois aussi que ce qui est important pour moi de faire ça, c'est que voilà, on a des métiers, voilà, parce que c'est toujours quand même des textes que je fais, c'est toujours par rapport à mon métier. Voilà, ça reste quand même parce que je me suis amusé à faire des romans autour de Rossette. Je crois que c'est très important parce que ça me permet de me renouveler. Voilà, parce que c'est vrai que je pense que n'importe quel métier, peut-être d'autant plus le métier de cuisinier, c'est un acte qu'on doit répéter deux fois par jour. Comme je disais tout à l'heure, des fois on fait 100 fois le même geste dans la même journée. Donc il peut y avoir une forme de répétition, de lassitude qui peut se mettre très facilement en place. Et je pense que si on ne la combat pas avec autre chose, c'est difficile. Moi, ça me permet justement de garder cette foi, de garder cette envie, de garder ce plaisir et surtout de garder du bonheur. C'est parce que c'est quelque chose que je martèle quand même régulièrement dans ma tête. Je lui dis, il faut garder le bonheur. Parce qu'on a tous nos petits problèmes, on a tous nos cas de conscience, on a tous nos bêtises, on a plein de choses les uns et les autres qui sont notre quotidien malheureusement. Et j'essaie de le combattre en permanence dans ma tête en me disant toujours bonheur, 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 bonheur. Et le bonheur, c'est d'écrire des bêtises sur une feuille, ça me fait du bien à moi. Et je me dis, écoute, si ça me fait du bien à moi, ça ne peut pas me faire de mal. Ouais, je pense que le mot heureux est important. Et aujourd'hui, dans la société, malheureusement, on le martèle pas assez qu'il faut arriver à être heureux avec les choses les plus simples au monde. Voilà, les moments qu'on a la chance encore de partager, de venir ici, d'amener papa et maman avec moi. Je pense que c'est des moments qui font du bien, qui flattent mon ego, certes. Mais je le dis, je sais que si ça me fait du bien, moi je suis persuadé qu'en me faisant du bien, je ferai du bien aux autres après. Et c'est quand même le but, quoi. C'est essayer d'amener avec soi et de rendre heureux le maximum de personnes de par mon métier, qui est le métier de cuisinier, qui est le métier du partage. Et j'y arriverai tout le temps si moi, personnellement, j'ai la force et l'envie, et surtout, de continuer à me renouveler, de continuer à faire des choses qui me font continuer dans cette voie que Christian Constant, que mes parents m'ont apprise, de pas oublier qu'une chose, que la plus belle des choses, c'est la vie, et qu'il faut la vivre avec intensité et avec joie. Merci beaucoup, Yves Candebord.